Coucou Michouki Chouki, comment vous allez? On dirait que je suis aux soirées. Comment il fait sombre aujourd'hui? Tout tristouné. J'espère que vous allez bien par rapport au temps. Mais un peu de musique. Ah bah on va finir ce colo aujourd'hui. Il reste plus que le fond à faire à l'aquarelle. Bah au crayon aquarellable. Comme ça, après-demain, on pourra. Pas après-demain. Plutôt demain, on passera à l'aquarelle. On verra ce que ça va donner. On va mettre le petit gant. Encore que j'ai ma lumière parce que j'aurais pas pu. J'aurais pas pu dessiner, ma colorier. Alors. C'est bon, attends. Alors, le 156 avec le 144, nickel.
168 et avec le 160, il est là. Ok. Et du coup, bah le 94 avec le 21. Nickel. J'espère que vous n'entendez pas le gros bruit. Il y a des travaux en face. Ils font un de ces boucans. Je vais baisser un peu le son. Hop. On y go, on y go. Alors, pour pas me tromper, je vais faire tout de suite le contour. Puis il y a plein de griffes. Doudou, t'abuses. Du coup, le contour, c'est... Oh, 94 et 21. Donc, je vais tailler monsieur. Voilà. Donc c'est le 21 le plus foncé. On dirait jamais que c'est un mauve quand on voit le crayon. Ouais, pour les crayons aquarella, pour les beaux de fenêtre, je fais déjà le dégradé comme des crayons basiques. Parce qu'ils sont pas non plus pigmentés de ouf, du coup faut quand même bien mettre la couche. Mais soit on doit finir Monster Hunter. Parce qu'il y a Pokémon qui va arriver. Donc ça, lundi prochain, on entame Pokémon. Moi, j'ai pris le perle parce que le diamant, je l'avais fait quand j'étais petite. Pardon. Désolé, je crois que j'ai attrapé une belle bronchite. Coucou ma cat, comment tu vas? J'espère que t'as passé un bon week-end aussi. Ça va. Qu'est-ce que t'as, ma belle? Coucou Amandine, comment tu vas? T'es bien dodo? Ah,
Bah, j'espère de tout cœur pour toi que ça va passer. Je t'envoie plein de petits cœurs. Ah bah tant mieux. T'as bien doudou. J'ai même pas entendu mon homme partir travailler ce matin. Il a dû me faire un bisou, hein. À chaque fois il m'embrasse avant de partir, mais je l'ai pas senti. J'avoue que mercredi, moi, j'ai eu un petit peu peur. Mon père m'a fait une frayeur, laisse tomber. Mais bon, ça va, c'est rien de grave. Mais il m'a fait quand même peur. Il faut que je finisse aujourd'hui, comme ça demain je pourrais commencer à l'aquarelle. Bon, je sais pas encore si je fais tout à l'aquarelle ou si je fais à la façon à Ondine. La base à l'aquarelle et l'ombrage en 30 couleurs. On verra ça. Je vais voir tout de suite ce que ça donne à l'aquarelle. J'ai oublié de le préparer. Bah ouais, je verrai bien demain. Je verrai bien demain devant le colo. Je verrai mon petit monstre. Je l'ai racheté parce que, comment il est abîmé à force d'utiliser. Je sais pas si vous voyez. Allez, fais la mise au point, méchant. Je veux pas. Les bois, ils sont tout abîmés. C'est-à-dire, Kat? Wall again, beast to fly. Ah, la wall again, beast to fly. Ah, c'est bon. J'ai compris. J'ai compris. Par contre, hein, je crois qu'il est bloqué. Ça vous a jamais arrivé ça que, à cause de l'eau du robinet, ça a bloqué votre pinceau à réservoir? J'ai l'impression que ça bloque. Il veut plus sortir d'eau. Ah, je suis dingue. Il veut plus. Allez, sors. Ah, je dois lui dire au revoir. Ah, attends, je vais chercher un truc d'eau du coup. Bah, il est vieux pourtant. C'est... Bah, ouais, je crois que.
Que bordel. Il coule tout le temps. Ouais, bah j'en ai, mais c'est trop d'eau pour moi. Mais j'aime bien celui-là parce qu'il y a. Non, on dirait vraiment que c'est là que ça bloque. Bah écoutez, je vais prendre mon nouveau. Je n'avais acheté un nouveau du coup. Oh, je suis dégueu. On est où? Encore que je suis. Est-ce que je prévois? Je m'en doutais qu'il commençait déjà à se boucher. Je vais pas mettre de l'autre bouteille quand même. Ouais, sinon c'est celui-là que je prends. Il va bien le tombeau. Après j'ai celui-là. Mais c'est vraiment pour les fonds de Faber-Castell parce qu'il mouille vraiment beaucoup. Lui, il mouille. Par contre, il. Comment dire, c'est vraiment bien pour l'aquarelle, pas pour les crayons aquarellables. Parce que il. Comment dire, il mélange pas bien les pigments. Dû au crayon de couleur. Pourtant, j'ai le même en petit. Par contre, lui, il fuit pas, tu vois. Regarde, lui, il coule direct. Hop, voilà. Bon. Bon, t'as mis le petit nouveau. Je poste une vidéo pour réparer ton pinceau bouché. Ah ouais, tu crois vraiment que je peux le ravoir? Coucou Malora, comment tu vas? Je vois rien avec l'eau dedans. Moi, je sais pas en fait si c'est le calcaire ou si c'est qui est bouché. Attends, je dois avoir des petites. Que trafic. Tu sors du lit, t'as bien de deux. Je prends mes trucs de manicure. Hein. Comme ça. Je dois avoir. Logan, j'ai un truc tout fin ici. Dans les conseils, ok, je vais regarder. Moi, je regarde après, du coup, si j'arrive pas à l'eau. Ah, c'est bon. C'est bon, j'ai réussi. J'ai pris le petit outil là. Tout pointu. Ouais, il était bouché, ça va. C'est pas le calcaire, c'est qui est bouché. Moi, j'ai ouvert le nouveau pour rien, mais c'est pas grave. Mais eux. Ouais, bah ouais, moi il commence aussi à avoir les poils qui partent en cacahuète. Ouais, si c'est bon, il mouille. Là. Il mouille. C'est Et après, c'est bon, ça mouille. Oh non. Bah ouais! Oh non. Ça y est, on commence déjà, bah bravo. Il y a des conneries. Bah je le laisse pour le côté. Pour plus tard. Doudou, t'es fou, j'ai failli me casser la bobine. T'as vu quoi?
Il est vraiment pas pour rien, ce doudou. Riri, une fille, voyons, Riri, viens. Bah ouais, ça fait un moment que j'ai pas vu Riri. Il doit avoir beaucoup de taf en ce moment. Bah, au moins ta vidéo elle sera utile pour d'autres personnes du coup. Oui, je vais l'entamer jusqu'au bout, hein. Moi, non, du tout. Bah ouais, mais bon, j'ai beau lui dire que... Voilà. Voilà, je sais pas comment dire ça. Il y a plusieurs chaînes, du coup, bah, je lui fais confiance, mais... Je sais pas, je sais pas. Il est fort sensible à mourir. J'ai marqué Riri, tu nous manques. J'ai marqué ça. Puis c'est vrai, ça fait plusieurs fois qu'il vient pas. Je suis triste tout net, moi. Ouais, mais même supprimer ses amis, sérieux. Mais je lui ai rien fait. Oh, je suis bien dégueu. Moi, je suis trop dégueu, là, franchement. Ah non, il faut pas. Non, mais pourquoi il fait ça? Je lui ai rien fait, moi. Attends, je regarde quand même, mais non, je la vois pas. Ah si, je crois qu'il a changé de nom, non? Si, c'est bon, il a changé de nom. Ah, j'ai eu peur. J'ai commencé à avoir une larme qui montait. C'est moi, c'est juste parce qu'il a changé de nom. Marqué. Avec un petit cœur. J'ai eu peur, je te jure. Non, Riri. Bah ouais. Molo, on va voir s'il va répondre. Après je lui dis, hein, après si ça te prend à cœur, ben réponds pas. Hein. Après je le fais confiance parce que il tient plusieurs chaînes et j'avais pas envie que cette personne vous fassiez vous du coup. Il a pris de l'avant. Mais il y en a, ils veulent être plus précis, mais voilà. Il dit, je vais pas tout le temps me justifier. Bah, t'as qu'à pas le faire si tu veux pas. Faut pas faire quelque chose que t'aimes pas. Hein.
Bah ouais, puis mon riri quoi. Merde. En plus, il disait que ça faisait du bien quand il venait sur mes lives. Avec nos délires et ça le posait. Il y a du taf en ce moment, Riri, Laura, tu sais pas? Il y a du boulot en ce moment. Bah, s'il vient ici, il y aurait le moral. Bah voilà exactement, ma Amandine. On a eu le même truc. Non, c'est pas bien la solitude pour le moral. Il nous manque ces poêtes-poêtes et les saucisses, là. C'est pas bon ça.
Hop, et maintenant, oui. Je vais faire tout en même temps. Après, autour, ce sera des paillettes. Attends, moi aussi je vais aller sur le Didi. Ouais, voilà, c'est le principal. C'est mon doudou. On a dit bonjour? Viens. Mais que fait Néa? Il faut que je te prends en plus. Et des petites pattes là. Ils sont là, gars. Les choukis sont là-bas. Non, tu regardes dehors, toi. Il n'y a rien. Bah ouais, y'a rien, mon doudou. Y'a assis sur comme un enfant. Mais. Dis bonjour, mes chouquis. Dis bonjour là-bas. Là-bas. Bisous. Il pue de la bouche. Petit cœur.
Eh bouge ton petit fion. La mouche, j'ai vu la mouche, moi c'est ça. Moi je peux même pas avoir une mouche, hein. Il gobe tout. Non, 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 y a pas de place, mon cœur. Y a pas de place. Maman le dessine. Si bec bec, maman le dessine, y a pas de place. Bah si, sur le cahier, hein, bien sûr, mais. Allez. Non, il veut pas bouger. Bah reste là. C'est bon, il bougeait. Moi je sais, mais je m'en fous, je suis pas. Je suis pas gnagnin. Ouais, sûrement léché son fion avant, je sais. Mon copain il fait oh. Mais je m'en fous. Ça m'embête point. C'est comme les toutous, hein. Les toutous ils te font, ils te font des grosses lèches là. C'est pareil, il se lèche le fion aussi. Hein. Mais moi j'aime bien parce que voilà. Il fait des bisous, c'est comme si. C'est comme si c'était un gosse ou qui te fait un petit bisou quoi. Bah ouais, moi je sais pas, j'aime bien. Ah, il pue de la bouche, hein, mais bon, je l'aime quand même. Je l'aime avec ses qualités, ses défauts, même s'il y a plus de défauts que de qualités, mais bon. Ah, carrément, elle foutait. Ah oui, elle fait ça. Non? Elle veut se frotter à toi. Mais elle est tellement brute, ça lui fait des coups de boule. Moi, il fait ça chaque fois que j'ai quelque chose dans les mains. Que j'ai un verre d'eau ou quoi. Ils sont trop marrants. Bon, il est chiant, moi, en pleine nuit, il me fait des petits coups des coups de patte en fait pour que je lève la couette pour qu'il vienne en dessous. Mais des fois il met ses griffes, je suis oh t'es relou doudou, tu fais mal. Là, il fait plus, mais quand il était chaton, il dormait carrément sur ma tête. T'es étouffé. Ton chaton, il peut t'étouffer en dormant, quoi. Ils sont trop choukis quand ils font ça. C'était trop attendri, quoi. Quand ils font des. Normalement, ils font ça entre chats. Si un chat fait ça. La dernière fois, on regarde des séries sur le canapé. Et lui, il est souvent là et il nous lave. Comme si on était. un comme lui, quoi. Je ne peux plus parler. Il croit qu'on était des chatous, quoi.
Bah ouais, tu mets Fluffy sur ta sur ton visage, je crois que. Tu vas voir l'aura comme ça. Help, help. Help me. Vous avez prévu quoi de beau aujourd'hui, mes chouquis? Moi, je vais tester mes pastels métalliques de chez Action. Après, je vais finir le colo mission de Laura. Après, si j'ai le temps, je vais peut-être commencer à faire le combo pour le trio avec Stitch et Laura. On ne fait qu'avec moi. Ah ouais? Oh, si, à moi, j'adore ça. C'est trop beau. Caractère de brun, ouais, c'est ce qu'il disait mon chéri, il avait déjà eu un siamois. Ah, une journée rendez-vous, malheureux. Je dois courir partout. Oh, bon courage, ouais. 4 aussi. Elle est pas propre, j'aime pas ça. J'ai mal à la tête après. Voilà, je finis celui-là. Du coup, je vais faire le bleu ici et le rose là. Ou plutôt le rose là. Parce que j'ai peur que ça fasse trop bleu sur celui-là. Alors moi, tu vois, il y a un truc qui sépare que là, il n'y en a pas. Moi, je vais faire ça plutôt le rose ici.
Ah ouais, un sol. Quel courage. J'ai pas encore connu tout ça. Ouais, je touche du bois. Il fait froid aujourd'hui. Pardon. Je me suis couché tard hier. J'ai bien fait de faire cette couleur là. Là j'avais peur que ça aurait été trop bleu quoi. Pas trop bleu violet. Ouais. Alors Malorah, tu vas l'acheter Pokémon ou pas alors? Tu vas craquer ou pas craquer? Il sort vendredi. Moi je l'ai précommandé.
Si je le reçois vraiment vendredi, bah je crois que on le fera vendredi après. Mais je sais pas, je sens que j'aurai pas vendredi. À chaque fois, j'ai des cacouilles avec ça. Je me rappelle quand j'avais précommandé ma Switch édition Animal Crossing, elle devait sortir en même temps que Animal Crossing. Du coup, au mois de mars, je crois que c'était le 20 mars 2020. Et je l'ai reçu le lendemain ou 2 jours après, je sais plus. J'étais deuil. Après, j'aurais pu l'acheter en dématérialisé. J'ai du mal à le dire, c'est pas grave. Mais c'est que voilà, il était moins cher sur Amazon. Du coup, oh bah ça va si t'as que deux rendez-vous. Alors Malora, tu m'as pas répondu, je crois que tu m'as pas entendu ma question. Tu vas craquer ou pas pour Pokémon? C'est pas encore, mais je sens que tu vas craquer. Après, il te donne peut-être pas trop envie, hein. Franchement, ouais, craque. Hein. Ils sont trop kiffants. En plus, si tu veux les tester toi-même, prends un petit lot mais dès que tu vas les tester, tu vas tomber amoureuse. Bon, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que Ondine elle a fait. Bah, elle a pas encore craqué, Ondine. Mais elle va. Mais franchement, ils sont super. Hein. Moi, j'ai pas encore tout à fait. Je les ai pas encore tout à fait apprivoisés. Pour les tester ou tu veux vraiment qu'un petit loup? Quantité, les différences, c'est fou. Par rapport au prix, tu veux dire? Ah bah oui, bah ouais, tu m'étonnes. T'as bien raison, Dine. Pour éviter de les avoir en double. Ah, ok.
Après, ils s'achètent à l'unité, hein. Si des fois tu veux des couleurs spéciales. Mais y a pas de soucis, ma Ondine. Normal, hein. Tu bosses. Oh, j'ai déjà faim, il fait chier ce ventre. Il est 10h30. Ils sont bien visibles. Mi. Attends. Misibles. J'ai pas compris ta question, Kat. Misibles. C'est un nouveau mot que je connais pas. Si c'est vraiment un. À moins que tu t'es trompé, je sais pas. Désolé, je suis nul avec les mots. Mais si, vous allez dire se mélanger bien. Ok, d'accord. J'en verrai moins grand ce soir. Oui, il se mélange super bien, ouais. T'as beau faire du clair au foncé, il se mélange nickel. La dernière fois, j'ai tenté un bleu nuit avec un. Un couleur jaune-vert, bah il s'est mélangé nickel. Par contre, ouais, pour les appliquer, il faut quand même une bonne couche. Il faut être généreuse, sinon. Ton rendu n'est pas top. Je me prends la lumière dans la tronche. J'avoue que j'ai jamais fait la le test. Mais bon, quand je mélange, par exemple, quand tu fais un dégradé de. Ah, tu veux dire vraiment un mélange-mélange? Je sais pas du tout. Oh, t'as un chatou qui est malade? Tu veux dire ce mélange pour avoir une autre couleur? Je ne sais pas. Attends, je vais te dire ça. On va tester. Tu voudrais quoi? Tu voudrais créer quelle couleur? Dis-moi tout, Kat. Je suis à toi. Si tu veux un orange, ok. J'ai vermillon écarlate. C'est chiant, c'est parce que t'as pas vraiment rouge en fait. On va prendre un écarlate. Et là, il y a un jaune par contre. Hop. On va essayer de trouver une place. Ah, t'es chez sa marraine. T'es chez ta marraine, je suis ta marraine. Là, je crois que j'ai mis un peu trop de rouge. Hein.
Mon Dieu, la couleur, par contre, tu vois, les couleurs sont bien, bien vifs. Plutôt commencer par le jaune. Mettre un petit peu de rouge. Ouais, tu vois. Ah ouais, ça peut faire un truc bien. Je savais qu'il se... Mais après, s'il se mélange bien entre eux, tu peux créer une couleur, c'est vrai. Après, du coup, si tu veux plus orange, du coup, tu rajoutes plus de, bah, de rouge, quoi, logique. Ouais, tu peux jouer avec les tons. Ouais, ça marche super bien. Ça fait trop beau. On pourrait même mettre sur une palette. Moi, en entendant mes Sakura Koi. Pas bête, je pourrais faire ça sur... Elle commence à trembler avec les travaux. La maison, elle va tomber. Cinglé. Bah, je pourrais utiliser ça, tu vois, sur je sais pas si ça se mélange sur une palette, mais je pense toi les palettes pour faire les mélanges d'aquarelle. Puis ça sèche super vite en plus, gun, c'est déjà sec, c'est abusé, c'est trop bien. Enfin, voilà, Kat, grâce à Kat, je pourrais utiliser cela en attendant mes Sakura Koi. J'y arrive avec mes 12 polychromos à faire les mélanges. Ah oui, toi t'es GG. Plus de musique, c'est éteint. C'est que c'est vraiment calme. Vous entendez les travaux? T'as vu le boucan qu'ils font? C'est abusé. Je sais pas ce qu'ils font, mais ça fait trembler ma maison. Après c'est ça, ouais, j'habite, je suis en face d'une usine, du coup. Voilà quoi. La mère qui a dit ça. Mais elle est pas mal. Playmobil, en avant les histoires. J'adorais ça, les Playmobil, quand j'étais petite. Mes parents n'avaient pas trop de sous-sous, du coup. J'ai jamais vraiment eu. Si, mais dans des petits kits. Moi, je voulais la maison et tout. Avec leur casque. Ouais, c'est ça, ouais, j'imagine trop. Les casques et tout.
Mais si j'ai un enfant, j'espère qu'il aimerait les Playmobil, je jouerai avec moi. Ah, je croyais que tu parlais des casques des Playmobil. Non. Il est même pas 11h, mais vous avez mangé quoi ce midi? Vous allez manger quoi? J'ai déjà faim du coup. Bon, ce sera un petit sandwich. Il faut manger les restes. La déchirerie m'a répondu, des pâtes, c'est bon, des pâtes. Tu manges des pâtes tout seul? Une horrerie m'a pas répondu.
Avec du grugru. Toi aussi, tu dis du grugru? Mort de rire. Une fille t'a balisé à ma soeur, j'ai mis Monster Hunter Story 2. Ah, tu vas craquer plus pour ça, du coup? Mais nous, en parlant de ça, il faut finir ce soir. Je crois que je sens que je vais dormir tard ce soir. Du gru-gru. Simple et efficace, carrément. Les pâtes, ça passe partout. Moi, j'adore ça. Je pourrais manger des pâtes tous les jours. Moi, ça me dérange pas du tout. On peut faire pâte crème, pâte bolo. Une pâte à se mélanger avec tout. Du poisson, du bœuf, du poulet. De la dinde. C'est abusé. Du porc aussi. Et tout, tout, tout. Ça fait flipper comment ça bouge. Vous voulez me retrouver enseveli dans ma maison. Ah non, j'ai pas fait attention. La cam, elle bouge. C'est vrai? J'arrive pas à regarder en même temps. Ah ouais, bah pourtant il. Pourtant mon bureau il trompe pas. Wow, chut. Essayer d'aller moins fort. On tremble toujours là? Non. C'est chiant que ça bouge comme ça. Attends, j'ai bien serré les trucs.
Merde, en train de serrer là. Quelle conne. Je serre à fond, je crois que. Aïe, ça va me faire mal. Oula. Ça bouge, hein, ça m'énerve. Pourquoi ça bouge? Mon bureau, il bouge même pas. Pourquoi ça bougerait? Oh, ça m'énerve. Arrête de bouger, t'es con ou quoi toi? Voilà, celui-là, il est fini. Alors, 60 est plus clair que celui-là, ok. Je me suis pas planté. Non, c'est celui-là plus foncé, ok. En fait, c'est quand j'appuie, elle bouge un peu, c'est chiant. Ah c'est bon, arrête de bouger, t'es relou. Ça y est, maintenant je vais avoir ça dans la tête. T'as un geste, je sais pas combien, et ça tremble comme je sais pas quoi quand tu fais un geste. Mais non, mais c'est relou. Ça doit pas être agréable pour vous. Ça m'énerve. Ça m'énerve.
Et si je vais plus haut, elle bougerait plus ou pas? Ça bouge quand même un peu, non? Si ça bouge, hein. J'essaierai à fond pourtant, je peux pas faire mieux. Mon bureau, je vais essayer de mettre un caler un pied. Après, j'ai mon ma maison, elle n'est pas droite de base. C'est une vieille baraque. Ah, c'est du bien que ça s'arrête les machines. Bon allez, on va bientôt finir.
Ouais. T'as encore des trucs à faire? Dans Pokémon de bouclier. Ah, ok. Non, mais sinon, niveau. Niveau mode histoire, tu l'as fini? Aventure, tout ça. Ok, bon, ça va. Tu y es presque. Il te manque quoi comme évolution d'Evoli? Évolue. Ouais, bah il en manque un, hein. Il manque
Il reste acier, dragon, poison, insecte, combat. Ils pourront encore faire pas mal, hein. Roche aussi, ouais, exact. Ouais, sol aussi, ouais. Ah, il en manque vraiment pas mal. Pardon. Pokémon vol, ouais. Putain, ouais. Des voulis volants, oui! Je crois que c'était Pikachu ton Pokémon préféré. Il te manque Noctali? Oh, t'aurais dû me demander en échange, je l'ai Noctali. Il faut le faire monter de niveau quand il. Quand il est soir. Bah, la nuit, quoi. Vu que c'est un ténèbre. Où tu peux le choper à un endroit précis sur la map. Le soir. Bah, c'est là-bas que j'ai attrapé, moi. Dans épée. Mais dans les autres versions, il fallait le faire évoluer comme ça. Je trouve que c'est trop facile maintenant. Comme là, je rejoue à noir et blanc avec, avec Ben. Mais on galère, quoi. Un que t'as dessiné? Oh, comment il est stylé! C'est quoi, c'est en gel? Oh, c'est bizarre! Ah, c'est une boule en verre carrément. Elle est trop belle. Ah, t'es bien gâté par ton chéri, tiens. T'as ouais, c'est trop stylé. Il est trop bio. Thank you.
J'ai embêté ma maman pour qu'elle me fasse tous les... Le Evoli, puis toutes ces évolutions en crochet, en style chibi. Je voulais acheter une peluche, mais... Mais faut pas mettre 30 balles pour une peluche, ça fait je vais te la faire. Ah bah ouais, bah nickel. Moi j'ai pas à faire ça. J'ai pas cette patience pour faire ça. Ma mère a dit, moi j'ai pas cette patience de ce que tu fais toi, à moi. Et moi j'ai pas cette patience pour ce qu'elle fait elle. J'ai essayé mais je suis pas fan. Ça me prend vite la tête, du coup ça sert à rien quoi. Voilà, on peut passer à l'aquarelle là. À l'aquarelle. À l'eau, quoi. Oh, j'ai des barres de chocolat, j'en veux un. Ouais, c'est ça, c'est... Je suis pas fan, quoi. C'est beau, hein. Ma mère a fait ces trucs. Mais je préfère le dessin, le coloriage. Chacun son truc, hein. Aussi que je m'avance dans mon dessin. Je vais quand même regarder ta vidéo, Ondine, hein, parce que il s'est rebouché. Mais t'es relou!
Par contre, les aquarelles Brutfener là, ils vont mieux sur les Kirby que sur le papier là. Ils se mélangent mal, pas trop. Ils se mélangent pas trop bien ici, sur ce papier. C'est marrant que chaque crayon a son papier. Regardez, ça fait des petites démarcations là, ça fait pas très beau. Hein. Je suis deg. Coucou Boldery, comment tu vas? Nickel, t'as passé un bon week-end? J'espère qu'avec le férié, tu t'es bien reposé. Oh, tu t'es fait chier carrément. Bah quoi, t'as même pas joué ni rien. Comment on peut se faire chier un long week-end? Voyons, bol de riz. Ton boulot te manquait? Parlant de boulot, moi j'ai envoyé un message à mon patron parce que. Bah, mon chef. Putain. Moi je crois que je vais vraiment le jeter le pinceau si j'arrive pas à le réparer. Non, ça jamais. Tant que tu t'es reposé, au moins t'es en forme maintenant. Et comment Ben, comment tu vas?
Nickel. J'ai pas beaucoup dodo, mais ça va. Ouais, bah je le finis aujourd'hui. Comme ça, demain, je passe à l'aquarelle. Et quelle heure? Ah, il est déjà 11h30. Allez, on finit, je dis. C'est vrai? Oh merde. Bah non, y a rien. Et ça t'a bien pris en compte ou pas? Oui, dès que mon Ben, il voulait faire la surprise. Bah merde. La notif faisait pas mi. Bah alors. Ah merci en tout cas mon Ben. Là je l'ai fait quand je suis arrivé. Bah ouais, y a rien. T'as chouki, tu fais plein de gros kissous et plein de petits cœurs à toi. Mon Ben d'amour. Ah, c'est bon. Voilà, j'ai. Mais il y a Lucifer. J'ai actualisé, c'est mieux. Plein de gros kissous à toi. T'es adorable. Quatrième mois déjà. Oh, ça passe trop vite. Hein. 4 mois que je suis avec vous. Ça va, vous me supportez? En tout cas, merci, parce que grâce à vos subs et à vos bits et tout, ben, j'ai pu m'acheter ma petite lampe qui est là. Après, il ne me restera plus qu'à acheter ma grande lampe qui est là. De toute façon, tout ce que vous me donnez, c'est tout pour le live. C'est toi qui nous supporte. Enfin, moi, je supporte tout le monde, moi. Sauf les méchants. Vous êtes des chouquis. Bah ouais, carrément. Bah, je sais que ouais, toi t'es là depuis le début. Hein. Mon Benouné.
Bah oui. Bon, t'avais intérêt, hein. Parce que mon meilleur ami qui est pas là, mon premier live. J'aurais été deg. Oh, t'as rendez-vous pour quoi? C'est pas discret. Vous avez tous des rendez-vous, Laura aussi elle a des rendez-vous aujourd'hui. Oh non, Kat. Tu vas me faire un petit frottis, Ben? Limite, j'aurais préféré, ouais, carrément. Ouais, je comprends. Ah, la question de tripoter, ça y est, tu dis pas non. Enfin, je trouve qu'après il va à la poubelle parce qu'il m'énerve. Puis comme cinglé alors qu'il n'y a rien qui sort. Par contre, on voit les griffes de Pito, c'est chiant. Pito. Ah bah ouais. Ils font exprès pour que. Ah, tu te vaccines en fait. On sait que ça vous faire chier de payer ça, du coup, voilà. Moi, je m'en tape alors. Et tu dois quand même le faire. Bah, tu vois, ça sert à rien ce que t'as fait du coup. Non, ok. Bah, j'espère qu'il va t'arriver rien arriver, mon Ben. Bah ouais, c'est. Ils sont même pas sûrs de leur vaccin, quoi. Ça fait peur. Hein. C'est pour ça, je vais pas. Non, pour le moment, non, ils touchent pas à mon bras, ils mettent rien dedans.
si, excuse-moi, mais s'ils demandent un test PCR alors que t'es vacciné, c'est que voilà quoi. C'est que ouais, ils sont pas sûrs de leur vaccin. Ouais, je crois que c'est que pour l'hôpital, hein. Moi, je connais quelqu'un que voilà, qui est resté à cause de ce vaccin, du coup, moi, tu vois, j'ai pas très envie de le faire, quoi. Non mais tu vois, c'est dégueulasse. Tu te fais vacciner juste pour ça. Pas parce que t'as envie. C'est ça en fait, c'est que c'est dégueulasse, je trouve ça dégueulasse. Il t'oblige en fait, alors que de base tu voulais pas. Mais à cause de ce de pays bazar, ben voilà, les gens ils font. Pourquoi? Pour juste partir. C'est dégueulasse. Tu pars libre. Liberté d'expression, tout truc comme ça, c'est vraiment de la merde. Ah bah encore, ouais bah parce que moi j'ai pas vu qu'il t'arrive quelque chose quoi. Il aurait plus de meilleur ami. Ah ouais, je sais que t'es fort. T'as intérêt, tu me laisses pas seul. Ouais, voilà, tu vois, c'est pas parce que t'as eu l'envie que tu l'as fait. Tu vois, c'est ça qui. Que ça me dégoûte en fait. Parce que de base, tu voulais pas. Eh voilà, putain, ouais. Mais tu voulais pas bol de riz. Ou tu voulais. Après, c'est si les gens qui veulent, voilà, c'est leur décision. Ouais, tu vois, c'est ça qui m'énerve parce que. Voilà, de base, tu voulais pas, mais il t'oblige en fait. Alors qu'il dit, oh, vous avez le choix, mon cul, ouais, t'as le choix. T'es obligé. Tu t'obliges, quoi. N'importe quoi, t'as le choix. Mais tout le monde le dit, hein. Ah ouais, voilà, c'est ça, en fait, il force à sa manière. Il dit qu'il force pas, mais si, en fait, il force. On m'en fout, je sors pas, hormis pour le taf. Bah moi, c'est pareil, je sors jamais, à part voir ma famille et pour travailler, quoi. Pas sur le fait, mais écoutez, je vais faire... Ouais, voilà. Non, moi, il demande pas. Bah encore heureux parce que moi il me l'aurait demandé, ça aurait été niet, tant pis. Hein. Ah non, moi je reste sur mon. Moi je suis têtu, hein. J'ai dit non au début, ça restera non.
Rien à foutre. Même si on me dit, ah, il faut se vacciner pour aller faire les courses, bah je prends le drive. Je fais plus de courses. Tant pis. Maintenant, je vais envoyer un message tout à l'heure, Ben. Parce que il commence à appeler Flo et tout, alors que voleur de. Bah, il a eu fini avant moi. Du coup, c'est normal qu'il ait appelé avant moi. Mais du coup, j'ai quand même envoyé un message pour savoir si, tu vois, si le taf est un peu revenu, tout ça, et quand est-ce que je vais revenir. Ouais, j'avais pas. Ouais, voilà, t'avais pas le choix, bol de riz. Bah oui, je comprends après le taf. Mais ouais, voilà, moi je suis têtu, du coup, j'espère pas qu'ils vont m'imposer ça parce que. Moi, quand c'est non, c'est non. C'est parce qu'en fait, j'ai connu une personne qui a fait le vaccin en fait pour voir son fils. Et le mec il est resté. Tu vois, il est mort à cause du vaccin. Du coup, ça. Non, j'ai des soucis de santé, je suis asthmatique, j'ai pas envie qu'on me fout des trucs dans le corps et que j'y reste quoi. C'est mort, je tiens trop à la vie pour ça. Je tiens trop à la vie, c'est mort. Mais s'ils reprennent les intérims. Ben, là, j'avais demandé à Valentin, l'étudiant, pour savoir si le taf y allait. Il fait, bah écoute, c'est bof bof, ils ont dû renvoyer des intérims et tout ce week-end. Parce qu'il n'y avait pas de taf. Ouais, c'est très calme. Ben là, je vais envoyer un message de tout à l'heure. Je te dirai ce qu'il a répondu. Il va m'envoyer, je pue de toi. J'ai plus de toi, tu pues. Non, sale. Tu vois, ça me. Tu vois, j'ai des frissons dans moi là, ça me dégoûte. Ça me répugne. Je veux plus de toi, tu travailles trop. Maintenant, bah après, ils ont appelé Flo, je pense que. Ils vont pas tarder. Hein. Je te dis, si c'est comme l'année dernière, j'avais commencé le 22, vers fin novembre. Du coup, je crois que ça sera pareil à peu près. Après, je respecte, hein, Kat, tu vois, je respecte ceux qui veulent. Tu vois, c'était leur choix. Du coup, voilà, il n'y a rien de mal. Mais ceux qui voulaient pas de base, et tu vois, bah, comme cette infirmière, là, qui. Et comme Boldery et comme Ben, quoi, c'est abusé. C'est. Moi, non, c'est mort. Mais c'est chiant parce que tu vois, vu comment je suis têtu, bah, je risque de peut-être de. Tu vois, de. Bah, ça va, après, j'ai pas de crédit ni rien. Si j'ai pas de taf à cause de ça, bah. Je serais prête à pas avoir de taf parce que voilà quoi, je suis têtu en fait. J'ai dit non de base, ça restera non. Ouais, voilà, ça fait mal au cœur. Moi, ça. Wow, j'aime pas ça. C'est malheureux quoi. Bon, ça va, mon chéri, lui, non plus, il était pas pour. Et bah ils voulaient pas quoi, et puis le boulot ils ont rien demandé. Sauf que toi, on doit mettre le masque et bien nettoyer ses mains quoi. Après, c'est logique. Bah ouais, voilà, tu vois. C'est ça qui dégoûte. Parce que voilà, t'as des trucs. Moi, ça va, je vis pas seul. Du coup, voilà, je peux chercher ailleurs, on peut quoi vivre, quoi. Mais pour quelqu'un, ouais, comme toi, bol de riz, je crois que tu vis seul. Du coup, comprends le truc, mais toi, ça. C'est répugnant, quoi, je veux dire. C'est dégueulasse.
Parce que de base, tu voulais pas et là, tu étais obligé parce que, bah, voilà, parce que voilà, t'as une vie, t'as tes factures et tout, mais ouais, je trouve ça dégueulasse. Même moi-même. Surtout qu'en soi, le vaccin n'empêche pas de l'attraper. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Et encore des formes graves du virus. Ondine, j'ai une personne que je connais, elle est partie à cause de. À cause du vaccin. Hein. Qui est partie, je veux dire, qui est morte. Hein. Alors tu vois, ça rassure pas. Hein. Bah ouais, mais bon, quand tu voyages pour voir ta copine, que tu veux faire. Ah voilà, bah ouais, mais c'est pas ça, Ben. C'est que c'est dégueulasse. Tu vois, ils t'ont obligé, toi. Parce que voilà, ça t'a fait chier de payer 75 balles, du coup, tu te fais vacciner. Tu trouves ça normal? Tu trouves ça logique? Moi, excuse-moi, je trouve pas ça logique. C'est dégueulasse. Quelque part, c'est toi qui prends le risque pour toi. Pas pour... Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, Ondine, t'as tout à fait. Voilà. Ouais, voilà, ouais, ça. Ouais, moi, ça. Ah bah ouais, je me doute, mon Ben, hein, je me doute. Mais voilà. Voilà, quoi. Oh là là. Dans quel monde on vit? C'est pour ça, mes chouquis, profitez à fond de la vie, même si des fois, on veut pas faire les choix qu'on veut faire. Voilà, après, voilà, tant que vous restez... tant que vous êtes heureux, vous gardez le sourire, c'est le principal. Et vu que vous restez en pleine forme aussi. Hein? Parce que même moi, j'inquiète pour vous quand même. Parce que je vous aime, mes chouquis, moi. Vous êtes mes chouquis, quoi. Moi, ça va, j'ai pas de rendez-vous aujourd'hui, Ben, alors. Tu te démerdes. Pardon. T'as fait une belle bronchite. Voilà. Il met des petites étoiles partout. Il va être déjà midi. J'ai traîné. Et ça se dit meilleur ami. Moi aussi je te kiffe mon Ben. Alors. On va faire les petits fonds étoilés. Et après je fais le contour avec les paillettes. Ça c'est juste regarde le petit malin là. Alors qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi tu vois plus? Ah, pour aller bosser, bol de riz. Ah. T'as prévu une bonne après-midi, j'espère. Bah, une bonne après-midi à toi, bol de riz. Je te fais plein de gros kissous et plein de petits cœurs. Pour aller voir une voiture. Oh, une nouvelle titine. Moi, j'espère que tu trouveras ton bonheur.
Un clos? Ouais, un clos assez hello. Alors là, j'ai loupé des petits mots, je crois. Mais c'est qu'une heure. Je vais devoir apprendre. Ah, je savais pas. Attends, je regardais du coup. C'est une quoi comme titine? Carrément une Mercedes. Bah t'es bien toi. Ah ouais, elle est pas mal. Moi j'espère que ce sera une bonne occasion. Pour que tu puisses craquer. Oh, des bisous ma cat. Bon courage pour ton vélo. Passe une bonne après-midi, je te fais plein de petits cœurs. Sinon je termine. Je vais sop, il est paillettes. Et après on aura terminé. Mais après ça doit payer les factures. Ça doit plutôt payer sa voiture, ouais. Bon normal, il a bien raison. C'est ce que t'as envie, vas-y fonce. On n'a qu'une vie. Des petits cœurs, ma cat. Bon, t'as bien raison, tu travailles assez pour un hein, pour profiter. T'as bien raison, bol de riz. T'as bien raison. Bah ouais, voilà, carrément. Faites ce que vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez. Et avec qui vous voulez. Ah, j'ai oublié d'aquareller là. Nonoche. Bravo Nufi. J'ai oublié des morceaux. Par contre, je sais que j'ai pu utiliser les Brut Fenner aquarelles pour le vitron. Hein. Ça fait pas très beau.
je suis bigless, hein, j'oublie des morceaux, moi. Juste sous mon dos, c'est pas grave. Il va aller à la poubelle ce pinceau parce qu'il m'énerve. Mais ça, c'est le sol. Donc il faut pas que je mette des étoiles. En même temps, il y en a partout. Alors voilà, après je vais rajouter quoi? Le jaune ici, dès que j'ai fait les paillettes. Je sais pas si on voit les paillettes. Vous voyez pas, vous. Ouh, des paillettes, des paillettes. Après, avec la luminosité de coco. Moi aussi, j'ai faim. Je vais faire mon sport avant de manger. Il faut que je termine ça aussi. Merde, ma main, c'est sec. Ouais, c'est bon. Mamie, t'as fait quoi manger ce midi? Vous avez mangé quoi ce midi? Vas-y, allez. Tout le monde dit ce qu'ils vont manger ce midi. Ah, il est déjà midi en fait. Rien, voilà. On mange rien, Ondine. Bah, bravo, pourquoi tu manges rien? Il me tuait que ça pesait, lui. Tu t'es pris pour une bête ou quoi? Une grosse bête, ouais. Ah bah ouais, c'est pas fait pour le moment. Ça va être long. Mais Chouki, vous m'en voulez pas? On finit demain. De toute façon, demain, il y aura juste ça, et puis après, on passe à un colo aquarelle. Bah, ça sera le titre. De toute façon, je vais faire un dessin dans le pop manga à l'aquarelle. Mais on va terminer celui-là avant. Parce que là, je vous avoue, j'ai trop la dalle. Et vu que je fais mon sport avant, j'ai peur de tomber dans les pommes, quoi. Vous voyez. En tout cas, oui, il restera plus qu'à faire tout ça. Les paillettes autour. Ouh, des paillettes. Et faire avec l'encre que j'ai acheté à Action, ici. Comme ça, on va voir ce que ça donne. Parce que là, je vous avoue, là... Moi, faim! Manger, manger! Moi, je veux manger ce que maman m'a préparé. Alors, je fais quoi, mes chouki, avant de partir? Aérobit? Aérobit.
Aérobic ou Zumba? Ou de la Zoom Je m'étouffe avec mes conneries. Avec mes conneries là. Aérobit. On va faire un aérobit de 30 minutes. La routine. Bon, c'est bien ça. Mais c'est quoi sinon zoom zoom? Il y a quoi en zoom zoom? Hier, j'ai fait de la zoom zoom 1 heure. 1 heure de zoom zoom, j'ai fait hier. J'en pouvais plus. Oh non, j'ai fait mercredi, jeudi, vendredi, samedi sans sport. Du coup, ok, bah aérobic. Voilà, je vais faire de la routine. Bon, en tout cas, on se retrouve ce soir pour Monster Hunter. Il faut le terminer. J'espère que je vais savoir le terminer, parce qu'il faut le terminer. Parce qu'il y a Pokémon qui va arriver et il faut. Voilà, il le remplace. Après, on est au bout, on est au bout du bout. Alors ce soir, même si je finis pas à 2 heures, on termine. Je rigole, on verra bien. On verra bien, juste des conneries. Ça y est, j'ai faim, je suis folle. Voilà, bah du coup, ouais, on finit demain. De toute façon, il est bientôt fini. Une petite touche de finition, tout ça. Je vous fais des énormes bisous. Un bon miam miam. Une bonne après-midi à vous. Plein de petits cœurs. Et on se retrouve ce soir, mes choukis. Et gardez le sourire aussi, c'est important. N'oubliez pas. Hein. Michi, mon Ben. Et merci, Malora aussi, on l'a dit tout à l'heure. Des gros bisous à vous, je vous aime. Bisous. Je vous kiffe. À ce soir.